satisfait parce que le début de saison n'a pas été mirobolant. Donc une troisième place aujourd'hui, je pense que c'est bien pour la tête. Quoi. Voilà. C'était une course qui a été menée à un mur assez rapide, ça a attaqué tous les bords tout au long de l'après-midi. Ouais, c'est vrai que c'était très rythmé, la bosse de l'autre côté faisait mal, donc... On applaudit très fort Sébastien Lens. Voilà, Sébastien, le deuxième aujourd'hui derrière un Marc Lancelot qui allait très très vite au sprint aujourd'hui. Oui, deuxième déjà la semaine dernière à l'Esnevin. Et deuxième encore aujourd'hui, c'est très bien. Bon, j'aurais peut-être troqué contre une première place, ça fait longtemps que j'ai pas gagné. Lancelot, du team Côté Légende. Marc, c'est vrai que ça fait déjà 4 semaines que je commence à avoir plein de jambes. Le week-end dernier, à l'Esnevin, je prenais la troisième place dans des conditions atmosphériques vraiment très pénibles. Et là, ce week-end, en début de course, avant la course, j'avais les grosses cannes. J'étais pas motivé, et c'est venu au fur et à mesure de la course. Mais là aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est une victoire d'équipe. On a été toujours représenté à l'avant, toujours. Et peut-être remettre la coupe au vainqueur, je ne sais pas. C'est bien parce que c'est un peu mère, hein. On voit pas tous les ans des coupes, des récompenses pour les mamans. Encore que, il marque quand même tous les jours, on veut bien venir. Quel est le programme pour la semaine à venir? Là, il y a le week-end prochain, là, je vais couper un petit peu, puis après je vais reprendre à Dinéol, des circuits qui grimpent, que j'aime bien. Quoi.